rencontré une plume aussi belle, aussi bien aiguisée, aussi bien écrite. Je pense que le mieux, ça serait de le lire. Comme lui-même, il le dit dans son livre, on ne peut pas vous expliquer en livre. Si on vous explique en livre, c'est que vous n'avez pas compris. C'est qu'on n'a pas compris le livre, en fait. On ne peut pas expliquer en grand livre. Ouais. Un grand livre. Et justement, la plus secrète mémoire des hommes, on ne peut pas l'expliquer. Je pense que le mieux, c'est de s'imprégner du livre et de le lire, en fait. Ouais. C'est mieux. Et vous, est-ce que vous pouvez nous parler de trois personnages, le top 3 des personnages? Le top 3 des personnages, bien entendu, c'est Eliman Madak. Et ensuite, je dirais Sigadi. Voilà une personne ou un personnage qui ne parle pas trop, mais qui parle énormément en même temps. Sigadi, on ne l'a pas trop entendu, mais c'est Sigadi qui a éclairé, en fait, qui a apporté la lumière au livre. Celle qui a dit ce qui s'est réellement passé à travers la discussion avec son père. Et je dis... Celle qui avait une clé, en fait. C'est elle qui avait une clé. Elle avait la clé de l'histoire. L'histoire vient d'elle, même si après, il y a Jegan qui s'en va à la recherche de Eliman. Mais c'est Siga qui a vraiment élucidé le livre. Mais Siga, elle ne parle pas trop. Mais c'est elle, au fait, le livre. Et après, tout naturellement, il y a le personnage principal, c'est Jegan Latirfai, qui est vraiment très spécial, je le trouve. Quelquefois, je pense qu'il est en même temps Bougassar, en fait. Je pense qu'il est en même temps... Bouga a décliné, il a dit ça. Ça va m'étonner parce que j'ai lu un livre où le père qui s'appelle Doula, et qui est en même temps... Non, on parle pas de Nation Incantée. On parle pas de Nation Incantée, ça fait deux. Troisième personnage, coup de cœur dans la plus secrète mémoire des hommes. Ce sont les trois, je l'ai dit, c'est Eliman Madak, c'est Sigadi, et puis je trouve également que c'est... Jegan. Oui, c'est Jegan. Je pense que ce sont mes top 3. Après, il y a d'autres personnages. En fait, chaque personnage est unique dans ce livre, en fait. Mais quel est le suspense monté qui vous a coupé le souffle? Alors, c'est le passage où... en même temps, je dis tout, c'est là. Qu'est-ce que tu me fais? Non, mais allez-y. Alors, c'est le passage où Sigadi viendra rendre visite à l'une de ses amies, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui est malade. Alors, juste le temps que Siga ne rejoigne la porte d'entrée, il y a tellement de suspense à ce niveau qu'on a l'impression de regarder un film d'horreur, en fait. C'est dans la tête, ça se passe, après tu as peur. Il m'est arrivé même des fois de fermer le livre et me dire, attends, tu lis un livre ou quoi? Après, mais tu ne peux pas t'en passer, tu es obligé de le lire. Donc c'est un passage qui a beaucoup de suspense, qui accroche. On a l'impression d'être dans un film, mais pas dans un livre. Est-ce que comme nous autres lecteurs de ce livre, est-ce que vous aussi vous avez senti cette présence surnaturel, c'est pas cette prudence pas normale qui défilait justement. À un certain moment, j'ai cru qu'Eliman était dans la pièce. Ouais. Oui. À un certain moment, je me disais, non, il est juste derrière la baie. En fait, elle a scindé une seule pièce en deux. Donc, pour moi, je me disais, non, forcément, il est là-bas. Et forcément, l'homme au dos tourné, c'était forcément. Ça fait trop de forcément. Je pensais que c'était Eliman parce que c'est décrit de telle sorte qu'on a l'impression que c'est lui. Parce que Eliman, il est comme du vent. Tout le monde le voit, personne ne le voit. On sait qu'il est là, mais il n'est jamais là. Donc c'est un personnage tellement, je ne sais pas comment vous le décrire. Oh, c'est un très beau livre. Je pense que c'est encore une fois, c'était ma plus belle lecture de ces deux dernières années. Je pense que c'est ma deuxième lecture du livre en moins d'un an. C'est un livre très intrigant. Et je pense que je vais faire comme Jegan, qui va lire plusieurs fois le labyrinthe de l'humain. Mais à chaque lecture, c'était vraiment une nouvelle aventure. Et c'est exactement ça, en fait, ce livre. C'est ce que j'ai ressenti dans ce livre. Et je vous invite personnellement à le lire parce que je pense que ce qu'on dit là, c'est juste une sorte de bavardage. Mais le livre, réellement, c'est un très beau livre. Et j'espère que j'en lirai d'autres. J'ai un peu peur, en fait, de lire les autres ouvrages, les autres œuvres de ça, pour ne pas être déçu, en fait. Pour ne pas ressentir ce qu'il a ressenti à la fin. Pierre Saint-Cyr, il t'excelle ça. J'ai peur de ressentir ce qu'il a ressenti à la fin. À la déception qu'il a eu de son premier livre. De son premier livre, il a eu peur de lire le second livre de l'imam qui n'a jamais existé. C'est ma plus belle lecture de ces deux dernières années.